Enquête de santé est de retour, ce mardi 5 octobre à 21h sur France 5. Et pour ce premier numéro de la saison, Marina Carrère d'Encausse propose le documentaire Erreur médicale, le combat pour la vérité réalisé par Bruno Timsit. Il sera suivi par un débat animé par l'ancienne partenaire de Michel Simès dans le magazine de la santé. Chaque année, environ 500 événements indésirables graves et environ 60 décès surviendraient dans les hôpitaux et les cliniques, selon des associations de patients. Pendant plusieurs mois, les caméras d'enquête de santé ont suivi les combats de plusieurs victimes de ces erreurs médicales. Nathalie est, par exemple, devenue sourde et paraplégique à la suite d'un accident d'anesthésie, il y a 3 ans. De son côté, Huguette a perdu son mari à la suite d'une terrible erreur de diagnostic aux urgences. Quant à Cécile et Luc, ils ont perdu leur père, victime présumée d'un chirurgien surnommé depuis le boucher de Grenoble. Face aux erreurs médicales, comment s'y retrouver? Quels sont les droits des patients? Et comment se faire indemniser? Réponse avec ce numéro d'enquête de santé. Marina Carrère d'Encausse, tous les accidents n'aboutissent ni à une plainte, ni à une déclaration. Dans une interview accordée à nos confrères d'Ouest France, Marina Carrère d'Encausse se confie sur ce premier numéro de la saison d'enquête de santé et revient sur la difficulté d'identifier ces fameuses erreurs médicales. Si est-il compliqué car tous les accidents n'aboutissent ni à une plainte, ni à une déclaration. Certains médecins ont cette propension à dire si est-il ma faute, d'autres pas. Mais au-delà de leur volonté, ils sont empêchés par les hôpitaux dont la responsabilité risque d'être engagée et par les assurances très puissantes, notamment celles des obstétriciens, confie la journaliste spécialiste de la santé.